J'ai lancé ce projet de bar artisanal en juin 2016. J'ai une formation de brasseur, donc je sais comment on fabrique de la bière. Donc du coup, moi, la démarche que j'ai faite, c'est plutôt d'aller à la rencontre des brasseurs. Il y a 10 ans en arrière, il y avait peut-être 5-6 brasseurs sur un périmètre de 150 km autour d'Avignon. Et aujourd'hui, on peut en compter par département, on peut en compter une trentaine par département. Donc de plus en plus, ça se développe. Moi, je ne travaille pas encore avec des brasseurs du Vaucluse parce qu'ils ne peuvent pas me proposer de fût. Moi, je travaille qu'avec des fûts, comme c'est de la bière en pression. On a en permanence une dizaine de bières qui sont proposées à la pression. Donc des bières qui sont des bières artisanales qui sont françaises et locales. Depuis qu'on a ouvert le bar, en fin de compte, on a proposé une trentaine de bières différentes. Et chaque semaine, pour faire découvrir à notre clientèle de nouvelles bières, on met en avant une bière et on l'appelle la bière de la semaine. On la met mardi. Pas de souci. Donc je fais les visuels et il faudra juste le descriptif en fait. La majorité des clients qui arrivent pour la première fois au bar ne connaissent pas les bières. Donc c'est vrai que voilà, nous on met l'accent aussi sur informer vraiment toutes les bières qu'on vend. La frappadingue. Ouais. Garrigue, c'est sans bière. Ouais. Ah mais je crois qu'on en avait parlé de celle-là, c'est parce que tu m'as montré l'affiche, mais je sais pas quoi. Ils disent pomme caramel, très amer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un bon retour des clients parce qu'ils voilà, apprécient de plus en plus la bière, déjà la bière artisanale. Et puis, ils sont aussi c'est très sensibles que cette bière soit issue d'une production locale. Hormis la bière, donc on vend aussi des produits locaux. Donc on a des jus de fruits donc qui viennent du Béron, voilà, jus de fruits artisanaux et bio. On propose aussi, on propose aussi une petite restauration. Donc on a de la charcuterie et des fromages donc qui viennent pareil localement. On travaille avec une charcuterie qui vient du Luberon. Avant d'ouvrir le bar L'Explo, moi j'étais directeur de MJC. Donc j'ai toujours ce petit âme de pouvoir proposer à la clientèle des œuvres faites par des artistes locaux. Actuellement on a un artiste donc qui s'appelle Bâtard, donc qui vient qui est avignonnais et qui fait un vernissage il y a une dizaine de jours. Comme tous les jeudis, donc ce soir nous accueillons un groupe local. Donc le groupe s'appelle À Voix Basse, un groupe plutôt à connotation jazz, donc composé de deux musiciens, une chanteuse et un guitariste. Donc c'est ce qu'on propose. On propose nous des formules apéro-concert, de 19h30 à 21h30 et ces animations ont lieu tous les jeudis. Merci, bonsoir. Bienvenue au Sapéro Jazz de L'Explo.